Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Français Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 avec la Turquie. Alors, dans le précédent épisode, il y avait vraiment le bordel, c'était incroyable. Et bien dans cet épisode, on va essayer de terminer. Alors vous allez trouver ça bizarre. Bon, je ferai une vidéo spéciale pour expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce genre, pourquoi il y a pas du GPS4 Iran, etc. Ne vous en faites pas, GPS4 Iran va revenir. Il faut je vous expliquerai plus en détail dans une autre vidéo, mais en tout cas, GPS4 Iran va revenir, donc ce n'est pas dramatique. Bref, on continue avec GPS4 Turquie, où on va attaquer l'Arménie. Il y a les Russes, non? Yes. Et là, on va faire une guerre assez rapide, hein. Il faut vraiment qu'on arrive à les attaquer. Écoutez, on va tout casser chez eux. Tant pis. Tac. Ah, je viens tout juste de le casser. Putain, je l'ai détruit, oui. Oh, ils ont une centrale nucléaire. Trop bien. Allez, on peut le prendre. Allez, vas-y, tu peux le faire. Pouet, pouet. Pouet, 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 pouet. Pouet, 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 pouet. Ok, ça c'est fait. Il y a un monsieur ici, il est pas sympa. Ok. On a des tanks là. Ils sont morts. Waouh, on a plein de lance-missiles ici. Foutu. Alors, y a-t-il autre chose qui peut être foutu? Ouais, on a des lance-missiles. Bam. Ok. Alors ici on a des tanks. Ici on a un petit soldat. Je vois pas trop l'intérêt à l'attaquer, mais c'est pas grave. On pourrait casser ce truc, hein. Oh. Je l'avais pas vu lui. Ok, ça fait des tanks en moins. On va casser ce tank. Ils sont en train d'envoyer tout leur matos, hein. Donc on va casser aussi. Voilà, on l'a cassé. Maintenant, cassez-moi ça. Bam. Voilà. Putain, mais ça veut pas rentrer, hein. Ah, c'est dur, hein. Mais on va rentrer, hein. Nos petits gars. Alors, on a le Soudan qui veut me parler. Salut. D'ailleurs, tu vas te rapprocher. Tu vas me faire une petite zone. Une zone de protection. Voilà. Où tu vas? Ok, alors. Où sont mes forces armées? Ben j'en ai qu'un. J'en ai vraiment qu'un. Attends, il y a un mec là. Tu peux le tuer lui? Ah ouais, ok, on a plein de nos soldats là. Qu'ils arrivent. Non, vous allez plutôt aller au palais du chef de l'État. Non, non. Oui, mais je m'en fous. Oh, il va mourir. Bon, tant pis. Mais putain, mais... Bunker, monsieur. Ta 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 na 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 na. Salut Soudan. Hop là. Bon, on a le contrôle. Avec celui-là, je suis en train de positionner mes troupes et comme ça ils ne pourront pas sortir. OK. Moi je suis en guerre contre qui? Contre l'Iran. Mais non, c'est rien l'Iran. Ah, parce que je suis trop à côté de chez eux. Ok, traité de paix, non. Ok, donc là, on a un pays d'annexé. Ah,
Rendez-vous. Salut. Alors, non, merci. Tiens. Alors, traité de paix. Maintenant, on annexe. C'est bon. Donc, l'Arménie est annexée. L'Azerbaïdjan, je peux pas. Quel pays on pourrait annexer qui est à côté de chez nous? La Syrie. Mais la Syrie, je peux pas faire une guerre lente. Enfin, je peux pas. Ouais, je peux pas faire une guerre lente. Parce que sinon, c'est le bordel et vous l'avez vu. Donc, mieux vaut faire une guerre rapide. Il faut que j'ai combien une croissance de 5% pendant un an? Bon, ça va être trop chiant ce truc. On va plutôt baisser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire baisser? L'impôt sur les sociétés, hein. Hop. Finances publiques. Oh, mais c'est bon, c'est pas grave. La 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 la. Ok, c'était du côté russe. Maintenant, il faudrait. Bah, je crois qu'on va annexer la Syrie, mais il va falloir attaquer. Enfin, non, il va plutôt falloir avoir beaucoup de commandos. Et ça va être dur. Mais j'ai pas d'autre pays que je pourrais annexer. L'Égypte, ça va être trop chaud. Ben, la Syrie, hein. Je ne vois que la Syrie. On pourrait le faire. Après, on pourrait. Bon, on a fermé nos ambassades, ce qui est pas mal. La Chine. Ils peuvent plus rien faire parce que je viens de l'annexer. Donc, ça ne sert à rien. Merci l'ONU. ONU, d'ailleurs. La Chine et moi, on s'aime bien avec la Chine. Lui, il va à Amsterdam. Exact. Je croyais qu'il allait à Bruxelles, mais c'était beaucoup plus au sud. Donc, il faudrait qu'on annexe la Syrie. Et ça sera bon. Comme ça, on aura fini au moins d'annexer au moins 3 pays. Comme ça, on aura fini avec ça. Ensuite, on pourra quitter l'OTAN. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Enlever les pouvoirs du Parlement? Non. Un de mes hommes a réussi. L'IDH. Ah oui, on n'a pas fini l'IDH. Indice de développement humain. 46e. Ah, ça va être trop chaud d'atteindre le top 4. Mais au moins qu'on ait au moins 0,9 hein, voilà, d'IDH. Franchement, si on a 0,9, c'est un. Déjà, si un pays a 0,9 en IDH, c'est énorme. On se rend pas compte, mais c'est beaucoup. Donc, c'est toujours ça de bien qui est. Donc, ouais, on va miser les 0,9. Donc, avoir l'IDH le plus élevé pendant un an. Ouais, on va faire ça. Il faudrait qu'on ait au moins 0,9 pendant un an. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir construire plein d'hôpitaux, par exemple. En plus, ça va faire augmenter ma popularité. Alors, il y en a qui me demandaient aussi, ouais, Francis, mais tu joues en mode facile pour que tu puisses, enfin, pour que ta popularité soit aussi excellente. Ben, vous savez, dans chaque partie que je joue en mode normal. Voilà, je suis pas en mode facile, je suis pas en mode difficile, mais je suis en mode normal, tout simplement. Voilà, il faut bien que tout soit normal. Enfin, il faut bien que je fasse tout ça. C'est important. Alors, fabrication d'un avion supersonique. Plus qu'une seule. Yes. Le coup. Ok. Félicitations pour ma popularité, je suppose. Découverte d'un vaccin contre le sida, pardon. Notre je garde. Maintenant, on va regarder l'éducation. Parce que l'éducation, c'est important. Donc, on pourrait faire ça. Ça va me coûter combien? 14 milliards. Allez, c'est pas grave. Na, na, na. La, na, 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 na. Il ne faudrait plus d'enseignement primaire. Je peux pas tout construire. Ok, tant pis. Notre agent est. Yes. Service secret. Oh, on a trop de terroristes. Pff. En vrai, c'est trop chiant, les terroristes. Écoutez, on s'en fout un peu des terroristes. Hein. On va faire ça, on s'en fout un peu. Tant pis. Yes. Ok. Notre agent est. Ouais, comme d'habitude. Notre agent est. Comme d'habitude. Notre agent est.
On s'en fout. Donc il faut que notre croissance soit supérieure à 5%. Eh bien, vous savez quoi? C'est l'heure de vendre. Et on va vendre aux États-Unis. Donc je vais dire un petit coucou à Donald. Salut Donald. Comment vas-tu Donald? D'ailleurs tu fais chier Donald, hein, parce que moi j'investis en bourse, et ça c'est dans la vraie vie en plus. J'investis en bourse et à chaque fois que tu fais un petit truc, ben, ça baisse. Donc c'est chiant. Attendez, je reviens une seconde. Bon. Vous m'entendrez toujours parler. Parce que je suis encore dans ma pièce. Voilà, je parle. Et je suis là. Alors. Oui, parce que tu me fais chier avec la bourse, là. Tu me fais perdre de l'argent. À cause de toi, tout le monde a peur. Donc, je perds du pognon à cause de toi. Merci, Trump. T'es pas très sympa comme mec, hein. Je sais, American first, mais à ce point, tu commences à me péter les... À me faire chier, tout simplement. Oui, je vais pas me mentir. Bien. Allez, trop alors. Aimable. Oui, trop aimable. Bon, écoute. Moi, je vais te vendre... Qu'est-ce que j'ai? Ok. Mais c'est pas intéressant. Est-ce que j'ai du carburant? Non. Ouais, je sais rien. Est-ce que j'ai du charbon? Écoute, Trump. Écoute. Moi, je veux bien te vendre mon charbon. Quoi? Si peu cher? Ouais, t'es sérieux? Trop de goût, mais va te faire foutre. Oh, comment j'ai dit va te faire foutre. Charbon. Ah, d'accord. Mais quoi? Mais c'était quoi que je lui avais vendu? Ah, c'était du ciment! Eh ben écoute, on va te vendre du ciment malgré tout. Yes! Allez hop, ça c'est pas mal. Vente. Écoute, moi je veux bien te prêter un peu mon charbon. Hein. Enfin, prêter, c'est de jolis mots, tu sais bien. Wow, c'est un peu cher là. Allez, 570. Non! Putain! Pourtant, c'est pas si... T'en as besoin! C'est ça le pire, c'est que tu en as besoin. 591. 557. Putain, et franchement, Trump, je vais te détruire. Hein. Tu vois, je vais te prendre. Je vais te mettre par-dessus les trains. Allez hop. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre? Est-ce que j'ai du fer? Non. Fibre synthétique, non. Est-ce que j'ai du gaz? Oh, Trump. Est-ce que tu veux du gaz? Ah non, c'est trop peu cher. 358. Non, mais Trump, là, faut pas abuser, hein. Gaz. Allez, Trump, fais un petit effort. 374. Yes, ben voilà, c'est au même prix d'ailleurs. Ah, ben voilà, on est d'accord avec Trump. Vous voyez, ce n'est pas qu'un salaud. Enfin, bon. Hein. Il est chiant, mais on peut faire des affaires. Il est intéressant, le petit Trump. Hein. Ah, il est gentil, le petit Trump. Hein. Ah bah, Trump. Oh, pff. Trump, je sais que t'as besoin de produits chimiques. Ah, je le sais. Non, franchement, ne te le cache pas. Je le sais que t'en as besoin. Alors, tu vois, je vais te faire un prix d'amis. Ah non. C'est peu, là. C'est beaucoup trop peu. Bon, écoute, tu veux pas de mes produits chimiques? Pourtant, j'en ai beaucoup. C'est où, produits chimiques? Je sais plus. Ah, c'est là.
Bon, Trump, faut être d'accord, hein. Allez. 1700. Ah, tu trouves qu'il y en a trop. Non. Ça marche pas comme ça, les affaires. Moi, je te force et tu achètes ma marchandise. Ok, je te fais un prix, voilà. 2600. Yes, mais j'ai gagné un peu plus d'argent. Crée un contrat commercial. Ah mais oui, là, c'est Trump, hein. Là, c'est commerce. Ne soyez pas déçus. C'est important, le commerce. Poisson. J'en prenais pas. Enfin, très peu. Tabac. Ah, c'est pas des fumeurs en Turquie. Volaille. Ah, on a un peu de volaille. Bon, écoute, Trump, j'étais très heureux. Merci. Merci pour tout. Préparation de l'entraînement. Très bien. Alors maintenant, notre économie devrait être un peu plus explosée. Pète. C'est bon. Économie qui va exploser. Au moins 7%, 8% de croissance. Ce serait sympa. 5%. Ok, c'est très faible. Je pensais que j'en aurais un peu plus, mais bon. Écoutez, on peut pas tout faire. Nous avons de fortes présomptions. Les gardiens du Tarkfirisme. En effet, c'est possible. Alors, c'est qui? C'est pas toi. C'est toi. Allez hop. C'était pas dur. Nous avons... C'était pas très dur. Elle en est où, mon IDH? Hein, c'est toujours aussi bas, hein, c'est chiant. Budget de la défense. 13e budget au monde. La France, c'est la 5e. 5e budget au monde. Bonjour. Tiens, je t'offre un café. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il nous faudrait qu'on annexe un autre pays. Mais vous savez qu'est-ce qu'on va miser? On va miser sur les commandos. Parce que vive le cheat. Hop. 32 000. Alors comment il va, mon chef des armées? Eh bien, il va très bien. 543. Enfin, 5,43, pardon, pourcent de croissance économique. C'est bien. On peut faire mieux, mais c'est bien. Évidemment, il y a toujours mieux. Oh, bien joué. Suite à nos investigations après l'arrestation du chef de l'organisation, nous avons remonté la filière et démantelé une grande partie de l'organisation. Un coup très fort porté au terrorisme. Ah, mais c'est nul. Le coup porté peut... Je pensais que c'était vraiment fini. Oh, la tristesse. Tiens, 100 millions. Si nous c'est... Les terroristes... Nos agents... Oh, mais non, fallait que j'attende. Découverte d'une molécule anti-sommeil, tiens. Les obsèques. Yes. Ma maman, elle est morte. Oh, c'est trop triste. Dit comme ça. Alors, les commandos vont se faire. Et... famille. Fixer les allocations. Wow. Et on va pas trop mettre, hein, non plus, hein. Voilà. C'est bien, ça. Ministre. Les ouvertures des JO paralympiques. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode sur GPS4 avec la Turquie. On se retrouve donc la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec la Turquie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, évidemment. Et allez, ciao tout le monde.